Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tagine facile, économique, avec peu d'ingrédients, mais super bon. C'est le tagine au merguez. Donc, on aura besoin de pommes de terre coupées comme ceci, des œufs, un oignon coupé, une cuillère à soupe de concentré de tomate, deux ou trois gousses d'ail écrasées, une tomate fraîche pelée et concassée, un peu de purée de tomate, du persil frais. Les épices, on mettra une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de coriandre moulu, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de piment doux ou paprika, une cuillère à café de cumin en poudre et une cuillère à café de sel. On aura besoin aussi de l'huile et bien entendu des merguez. Commençons par faire cuire légèrement les merguez. Ensuite, on fait revenir l'oignon dans un peu d'huile sur feu moyen. On ajoute l'ail et 2 minutes après, on verse les quartiers de pommes de terre. On ajoute le concentré de tomate et on mélange. On verse après la purée de tomate et ensuite les épices, le piment doux, le curcuma, le cumin, la coriandre moulue, le poivre et enfin le sel. On prend soin de bien mélanger le tout afin que les pommes de terre s'imprègnent de toutes ces épices et en dernier, on verse la tomate concassée. On réduit le feu et on couvre pour une dizaine de minutes. Après ces 10 minutes, on couvre les pommes de terre d'eau chaude, on met le persil, toujours sur feu complètement réduit, on recouvre et on laisse mijoter tranquillement.
Pendant ce temps, on découpe les merguez et on les rajoute au tagine pour finir leur cuisson avec le reste des ingrédients pendant à peu près un quart d'heure. En dernier, on casse les œufs et on couvre pour à peu près 5 minutes. Après, on éteint et notre tagine est prêt. Il n'y a plus qu'à servir. Bon appétit! Merci à tous pour votre fidélité, merci d'avance pour vos likes et vos partages. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle recette. À bientôt, bisous !